ici, l'examen a déroulé très bien. Nous avons le premier jour, qui était vendredi 1er juillet, l'examen a commencé. Et nous passons la journée très bien. Sans aucun problème, l'examen nous venait à l'heure et nous-mêmes nous respectons le mot d'audio. L'examen nous commence et finit bien. Deuxième jour, qui c'est lundi, jeudi à même, nous commençons à temps. Et c'est sûr qu'il a fini à temps, l'examen est venu à temps. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas enregistré rien comme problème. Et oui, nous avons des salles qui ont un absent, des qui ont deux, mais ce n'est pas grave. Nous avons des salles qui ont 4-5 absents. Nous avons 10 salles et chaque salle, et normalement, le ministère a mis 24 élèves. En tout, ici, nous avons supposé gagner 240 élèves. Oui, nous avons 2 surveillants par salle. Nous prenons le soin et presque chaque examen qu'elle fait, nous chitons ensemble avec les surveillants. Et pour connaître comment ils doivent comporter ensemble avec les élèves. Et nous connaissons les élèves, des fois, il y a des cas. Nous avons mais nous connaissons nous-mêmes en tant que dirigeants qui sont habitués. Nous connaissons comment pour nous gérer ça. Éviter le téléphone. Le plus gros problème, là, c'est éviter le téléphone rentrer dans le centre d'examen. Et éviter les élèves de communiquer. Dès que vous faites ça, c'est sûr que sans toi, vous allez réussir normalement. Ah bon, malheureusement, tu as supposé que les policiers, en cas où tu as eu un problème, mais pas gagné. Bon, ça, c'est grâce à Dieu, nous gérons nous bien. Bon Dieu, pas quitter nous, déboucher sur un grave. Et si mon dernier message, c'est encourager le ministère sur la route qui est liée pour nous réussir à l'année scolaire là, normalement. En D à quoi c'est deux. Comment on salue? Et si tout me salue aussi. Je dis à nous dans la deuxième journée d'examen. Dis-nous comment l'examen a déroulé vous jusqu'à présent. Bon, et je dis à me sentir très satisfait. Et dès que vendredi, comme si ça n'a pas bien marché pour moi, dès que aller comme si pour y être sonné, pour y être prendre chimie, et là nous avons fini de copier toutes les questions et puis pour nous répondre. Quand il y a là et au téléphone sonné, ça te cause moi-même pas répondre des questions là-dedans. Oui, ça me satisfait de lui jusqu'à maintenant toujours. Non, juste si me donne un message que me doit lui faire passer, tout le monde qu'on monopole déjà, c'est réussir, passer étape ça et puis pour avancer vers l'avant. Canal 11 merci. Merci aussi. Canal 11 salut. Salut Canal 11. Ah bah il n'y a pas trop normal pour nous parce que ça fait aux environs 2 jours. Moi on sait. Si on sait si vient nous jouer dans tous les 2 jours d'examen. Je ne pas remarquer que je pas 100%. Je ne sais pas si on sait l'autre si vient pour venir suivre nous. Bon, nous travaillons à 100% but, et nous espérons ici parce que nous travaillons. Nous avons fait géologique, c'est LVT. Oui, oui. Même là nous pas parler tout et nous devons affronter parce que c'est objectif nous ça et que faut que nous réussissions et nous pas l'examen des fois. On salue. Salut Canal 11. Comment premier jour examen a été déroulé pour avec deuxième jour. Premier pas trop mal mais deuxième non très bien. Au seul problème il y a avec cette là, il y a que ben monde dit hein et deuxièmement il va ba il y a quitté mon al pipi. Il pas voulu mon al pipi. Vous m'avez suivi à dire ou pas al pipi. Non, il dit pas al pipi. Il a commencé par la récréation le matin, après ça, après quelques temps, il a dit personne ne va pas bien. Quand il a besoin, il fait la terre. Il a appelé mon sorti. C'est un élève qui fait la terre après. Non, pas un élève qui fait. Mais moi-même, si je suis un élève qui fait la terre. Canal 11, merci. Oui, merci, Canal 11. Canal 11, salut. Salut, Canal 11. Bon, premier jour, nous pas vraiment bien composé par rapport avec chimie, qui était vraiment paraître difficile, mais deuxième jour, nous travaillons quand même. Bon, attends, nous avons réussi quand même. Bon, message avec tous les élèves, c'est continuer à étudier. Et puis, par rapport avec le temps, nous avons qui ont été dérangeants. Nous avons trop de temps dans la récréation. Et puis, les bons composés ont réduit la dedans. Merci, Canal 11. D à quoi c'est deux.
Bonjour tout le monde. Moi content recevoir aujourd'hui à invitation pas arrivé longtemps à l'avance mais quand même moi nous répondre à invitation et ça fait plaisir en pile. Avant de commencer, n'a kembe en mémoire la mort du président qui a privé dans quelques jours là. Qui était assassiné la Cali. Et aussi la mort du général Chavanne, qui était vraiment marqué département de l'immigration, direction de l'immigration et de l'immigration par passage, que ce soit par Jean Tapservi Pays et par Titudi, par Guigueli. Donc nous avons fait un mémorial pour lui et funéralité chanté samedi. Donc l'immigration et l'immigration haïtienne. Mission nous, c'est d'abord émettre des documents de voyage aux Haïtiens, c'est-à-dire et le passeport et la carte passeport qui existait aussi tout. Nous avons une mission tout pour nous bailler des permis de séjour aux étrangers vivant en Haïti, de contrôler tous les passagers entrant et sortant du territoire, de contrôler. Les étrangers vivant ou séjournant sur le territoire. Tous les services délivrés par cette direction s'opèrent à partir des outils TIC, Technologie de l'information et de la communication. Cela signifie que nous sommes bien à l'ère du numérique. Où on est présent dans les frontières. On a les frontières, que ce soit les frontières terrestres, ou bien les frontières maritimes. Et bien sûr, aux aéroports. Donc, on est dans l'aéroport du Port-au-Prince, on est au bureau du port, on est à Malpas, sur la frontière avec la Dominicanie, on est aussi à l'aéroport du Cap-Haïtien, on est à Wanamet, on est à Belader. Dans les bureaux régionaux, à part le bureau central qu'on a ici, à la LU, on a des bureaux régionaux au Cap-Haïtien et au CAI. Maintenant, vous êtes peut-être au courant, on a les centres de réception et de livraison de documents d'identité où quelqu'un peut aller aussi faire son passeport sans avoir venu à Port-au-Prince ou bien faire son document d'identité, sa matricule fiscale, sa carte d'identification nationale. On est présent dans les centres à La Caillère, à Vaudreuil, à Tour-du-Nord, à Port-de-Paix, à Saint-Louis-du-Nord et dans d'autres villes comme Gonaïves, Saint-Marc, Jacmel, Ayenry, Marigot, Akin, Miragouane, Jérémy, Belader et Hinch. Ce qu'on fait nous-mêmes, donc, c'est un service disponible, comme vous avez pu voir, dans les 10 départements, à travers 15 sites de réception et de livraison de passeports. Ces sites sont connectés online, real-time. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un site de livraison de passeports, l'opérateur de saisie est déjà connecté ici. Pourquoi on le fait comme ça? C'est que si vous avez fait des saisies et que ce n'est pas connecté, qu'il y a un problème d'interruption de courant électrique, d'interruption de liaison de communication par Internet, vous allez perdre vos données. Et un malheur peut arriver aussi, on perd les données. Mais puisque quand on fait la saisie des données, c'est connecté en direct avec le bureau de serveur de Port-au-Prince,
Donc ça permet que, quel que soit l'accident qui arrive, vos données sont déjà là à Port-au-Prince. Et ça permet aussi, et on a moins pu chausser un lien dédié entre l'immigration et le centre, donc il y a moins de possibilités aussi pour les hackers d'intercepter ou bien de modifier ces données. Les documents de voyage détiennent des puces électroniques, je suppose que vous êtes au courant, qui sont en conformité au nom de l'OACI. Donc, c'est comme vos codes de téléphone qui ont un SIM card, et donc les documents de voyage aussi ont des puces électroniques. L'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en matière de documents. Une division de personnalisation de passeport pour les Haïtiens vivant à l'étranger a été aménagée au bureau central de Port-au-Prince afin de venir en aide à l'unité de passeport de Washington submergée par des demandes en hausse. Donc, une fois que ce sera rempli, c'est comme pour l'application pour le passeport. Dans ce cas-là, on va avoir un QR code parce que le QR code peut donner plus d'informations que de des barcodes. Ça peut même donner et l'image de la personne, n'est-ce pas? Donc, le logiciel pourra le faire. Et elle prendra la forme d'un QR code sécurisé et figurant à côté du nom de voyageur. Ce code sera lu à l'arrivée par l'officier d'immigration. Et une fois que c'est lu, ça va apparaître sur son écran toutes vos informations que vous avez rentrées, suivant nos spécifications, votre adresse en Haïti, et le numéro de vol, toutes les informations sur les codes d'embarquement et de débarquement des avions seront déjà là. Le même contrôle aura lieu au départ, puisque quand vous êtes en train de partir d'Haïti, par exemple, ça se fait déjà en Dominicanie, vous êtes obligé de passer par l'immigration. Dès que vous passez par l'immigration, au lieu que la personne regarde votre passeport seulement et mette un saut de sortie, la personne maintenant, le système pourra savoir, a fait déjà toutes vos informations et pourra dire que vous êtes en train de laisser le pays. Donc, là, nous avons un système comme ça, ça permet que l'on étranger vient en Haïti, depuis enfant d'entrer en Haïti, il y a une immigration adressée. Dans des pays comme le Chili, surtout l'Argentine, des pays en Europe, l'on arrive dans un pays, il y a une preuve de côté pour aller. Soit montrer une réservation d'hôtel pays, soit montrer au bras le cas au monde, et les conseils vont exiger maintenant à la mairie, zone mairie, côté habité à pour dire la bacquerie ou la caillou. Donc ça veut dire l'État, côté au bras, a un bon contrôle de côté à pied, de information, mon gars, bacquerie là tout. Donc je dis à Napka Gayen, de façon à ce que les nous gagnent des mondes, que ce soit des personnes d'intérêt qui disparaissent, que ce soit des mercenaires ou bien l'autre, nous supposons qu'il y a des informations sur Mounsa, côté l'habité, pendant qu'il y a un séjour en Haïti. C'est pour ça qu'on a développé un système comme ça. Et les Mounsa ont quitté tout le pays, puisque il remplit l'information, l'ordinateur déjà connaît l'équité. Donc là, par exemple, une autre agence. Par exemple, semaine passée, un commissaire du gouvernement m'a demandé des informations sur Mounsa qui était débarqué dans à peu près telle date. Donc, on s'en cabale l'information plus rapidement. Nous disons, mais ce qui vole l'été, mais qui boit, mon anti, il va adresser en Haïti, mes téléphones, mes emails, etc. Naturellement, on a toujours des gens qui font des fraudes, qui boit faux adresse, faux email, faux ceci, faux cela. Mais par rapport à nous, un système de contrôle des étrangers, nous remis en place, parce qu'il était inactif pendant un certain temps, nous devons voir un monde à contrôler dans l'hôtel ou bien dans la résidence. Là. Est-ce que mon ça est là vraiment? Ça se fait au Chili, mais ça se fait au Canada. Tout comme depuis avant, je dois vérifier est-ce que c'est pour une faux adresse mon maman? Est-ce que c'est pour une faux email? Est-ce que c'est pour une faux téléphone que le maman? Comme ça, nous avons gagné plus de contrôle sur le monde qui a entré, qui a sorti en Haïti. Parce que je dis à plusieurs monde fait commentaire que mon nom entré libre, sorti libre, quand on s'en va, il n'y a pas de contrôle qui fait. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est un gros ça n'a fait. Nous devons faire nous connaître que au ministère de l'Intérieur, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. Je dis à me parler nous plus de ça qu'a fait dans l'immigration. Non, notre conférence peut être bilan,
nous avons eu l'occasion de parler nous de l'autre bail qu'a fait quand vous avez droit gagner et pas gagner droit non nous déjà font pilote pour certaines mairies pour eux-mêmes ils ont informatisé impôt locatif. Donc à partir de ça, ça va nous permettre que l'impôt locatif là est plus complet puisque d'autres agences comme le CNIGS ou même IHSC déjà fait nous connaître à peu près tout cas qui est dans le pays. Donc à partir de ça, vous voyez le cas qui est plus complet pour connaître vraiment qui caille qui paye l'impôt locatif ou pas, est-ce que à jour, est-ce que pas à jour. Qui s'apprête à arriver là, ça, mairie, ça a fait plus comme. Donc, nous avons un projet comme ça, financé par la Banque mondiale, et nous avons déjà nos stades pilotes côté de la PCL, dans certaines mairies. Je ne vais pas prêter un peu sur l'autre partie, parce que je dis, nous devons concentrer sur l'immigration et l'immigration, mais je fais commenter là pour nous connaître, ce n'est pas dans l'immigration et l'immigration seulement que nous mettons des nouvelles technologies, nous mettons dans tout côté que nous sommes capables. Un D à quoi c'est deux? Chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse en Haïti, cher Fabrizio, et aussi monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, monsieur Elidj, et bien sûr nous avons des amis et personnalités dans la salle, madame la représentante de l'ambassade du Canada en Haïti, monsieur le directeur général du ministère de la Culture et de la Communication, monsieur Camille Depas, monsieur l'ancien ministre de la Culture et actuel président du Centre PEN Haïti, Jean-Emmanuel Jacquet, messieurs, dames de la presse, chers amis, représentants et partenaires du prix des jeunes journalistes, mesdames et messieurs les journalistes, les grandes aventures sont généralement celles qui durent et qui ont une vertu essentielle, faire date et marquer les générations. En lançant puis en institutionnalisant ce prix des jeunes journalistes en Haïti, l'OIF a réussi à mettre sur pied et à entretenir une structure de légitimation des meilleurs jeunes journalistes dans le pays, au-delà des sentiments trop souvent froids d'une presse haïtienne qui essaie de trouver le bon modèle économique et la juste dignité pour survivre. Le prix des jeunes journalistes est aussi ce conglomérat intelligent de partenaires issus de la presse locale, de la presse francophone internationale, d'agences internationales de coopération, d'institutions culturelles haïtiennes et de l'État haïtien à travers le ministère de la Culture et de la Communication que j'ai le privilège de diriger. En participant au lancement de la 8e édition du prix des jeunes journalistes, je me suis dit qu'il y a sûrement une histoire à raconter, une initiative à valoriser et un exemple à consigner. De 2014 à aujourd'hui, le pays n'a pas franchement connu la plus belle et la plus stable période de son existence. Les épisodes de pays loc, la pandémie de Covid, l'insécurité meurtrière et d'autres désagréments dont le pays aurait dû se passer ont mis la République à genoux, cassé des élans et contraint plus d'un à l'abandon. Le prix des jeunes journalistes a survécu et se porte bien, et c'est tant mieux. Et ce prix a choisi comme thématique pour cette 8e édition l'insécurité et ses conséquences sur la société ou l'économie en Haïti. Il y a beaucoup de choses à dire et les jeunes journalistes, les journalistes qui vont participer à cette 8e édition vont devoir se dépasser, pas parce que le thème, et on pourrait penser que le thème est facile puisqu'il y a tellement de choses à dire sur l'insécurité et ses conséquences diverses et variées, mais justement, c'est parce que ce thème, il est repris par tout le monde a intériorisé qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, quelque chose sur laquelle il faut à tout prix dire quelque chose, mais il va leur falloir trouver l'angle original pour parler différemment de tous et de toutes.
Parce que quand tout le monde parle d'une chose, d'un thème, alors c'est un vrai challenge pour de trouver la chose à dire, la chose originale qui diffère de ce que tout le monde dit. C'est un défi. Et la thématique est bien choisie parce que être journaliste aujourd'hui, c'est un vrai défi avec les médias sociaux dans un contexte où tout le monde parle, où tout le monde a la possibilité de parler, de s'exprimer sur les différents réseaux et de redire ce qui est évident. Il va s'agir pour ces journalistes de relever le défi en disant ce qui est évident, mais en le disant autrement, différemment, et en se positionnant comme ces personnes que doivent être des journalistes qui créent des contenus qui restent, des contenus qui sont différents et qui peuvent attirer l'attention de ce jury exigeant. Mesdames, Messieurs, le journaliste est un métier et aussi une pratique en pleine mutation. Et ce n'est pas pour rien que les journalistes ont l'obligation de s'adapter aux nouveaux enjeux et aux défis posés par les moyens actuels et désormais courant de positionnement de leurs médias et de diffusion de l'information. Tout va très vite. Les accès à l'information et les possibilités d'interaction avec le public de plus en plus exigeants se sont améliorés. Malheureusement, le professionnalisme, l'éthique et l'équité dans le traitement salarial en font trop souvent les frais. Il y a matière à débattre et le ministère de la Culture et de la Communication entend provoquer et accompagner ce débat pour la viabilité d'un véritable état de droit en Haïti. Je connais ce milieu pour avoir toujours été journaliste passionné et sincère, actrice et témoin de l'évolution du secteur. Je suis toujours heureuse et rassurée au moment de découvrir la joie et la satisfaction de jeunes collègues reconnus et récompensés pour leur travail. Mesdames et Messieurs, je tiens sincèrement à féliciter aujourd'hui les lauréats et lauréates des 7 précédentes éditions. En catégorie radio, télévision et presse écrite, ils ont su proposer un travail de grande qualité, des reportages bien documentés, fruits de longues recherches et d'examens minutieux de chaque détail. Celles et ceux qui ont pu convaincre le jury réputé impartial et sérieux du prix des jeunes journalistes sont désormais les nouveaux visages du journalisme en Haïti. Ces jeunes collègues sont conscients du prix relié à leur succès. Il leur appartient d'être les animatrices et animateurs d'une presse libre, responsable et intelligente. J'ai cru voir Germina jeudi dans la salle, peut-être que je me trompe, c'est la lauréate de la 7e édition, journaliste chevronnée avec tellement d'avenir, d'envie et aussi cette manière qu'elle a de faire des propositions intéressantes. Moi, quand je la lis dans le Nouvelliste, je suis toujours très contente et je me dis, voilà une bonne pioche, voilà quelque chose de bien. Et je la connaissais déjà comme journaliste, mais qu'elle ait été révélée par ce prix me fait beaucoup plaisir. À tous ceux qui vont concourir pour le prix du jeune journaliste 2022, dans 3 catégories, je souhaite bonne chance en leur conseillant de profiter et aussi de s'inspirer du parcours et du travail de celles et ceux qui les ont précédés. Des générations d'Haïtiens auront l'occasion, j'en suis certaine, de saluer l'immense travail de l'Organisation internationale de la francophonie et de ses partenaires en Haïti, parce que vraiment, vraiment, c'est un modèle de coopération à chérir. Merci de m'avoir écouté. Merci. De la communication, chère Emily, monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, monsieur le représentant régional de l'OIF pour l'Amérique latine et les Caraïbes, cher Emmanuel, mesdames, messieurs de la presse, que vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes en train de me faire plein de photos et de prises de tous les côtés, mesdames, messieurs en vos rangs, titres et qualités, chers invités, chers amis et amies. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui dans le cadre du lancement du 8e édition du prix Jeune Journaliste en Haïti. J'en profite pour adresser mes remerciements et félicitations à la représentation régionale pour le pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine de l'Organisation internationale de la francophonie
pour avoir fait perdurer ce concours durant, oui, bonnes années. En effet, cela fait 8 ans depuis que le concours du prix du jeune journaliste en Haïti récompense les meilleures productions journalistiques dans différentes catégories. La régularité et le sérieux qui entourent l'organisation de ce concours le place dans une position de choix auprès des autres compétitions journalistiques de renom dans l'espace francophone et qui encourage les jeunes journalistes. Telle une messe, l'ambassade de Suisse en Haïti répond religieusement chaque année à l'appel au partenariat lancé par l'OIF Repcal pour la réussite justement de ce concours. En 2017, pour rappel, la Suisse a été fière d'accueillir les lauréats de la 2e édition du concours qui ont effectué leur stage dans des rédactions helvétiques. Des années plus tard, nous pouvons affirmer haut et fort que nous sommes fiers de ce partenariat. Mesdames, Messieurs, je tiens à saluer la pertinence et l'actualité du thème retenu cette année, l'insécurité et ses conséquences sur la société et l'économie en Haïti. Depuis quelque temps, le contexte sécuritaire local est assez préoccupant. Des populations civiles en proie à la violence des bandes armées sont forcées de se déplacer. Et les organisations de droits humains élèvent de plus en plus leur voix quand des violations des droits des personnes dans les zones touchées par les affrontements malgré les efforts des autorités encore timides. Il va sans dire que le tableau peint a des répercussions significatives sur la vie des populations affectées, tant sur le plan psychologique, social qu'économique. Parce que ce thème, les jeunes journalistes sont invités à exercer leur talent avec la rigueur requise, tout en contribuant à construire une documentation dotée d'une perspective haïtienne sur l'impact de l'insécurité et ses corollaires dans le pays. Et surtout, ici à Port-au-Prince. Nous en sommes convaincus que les intéressés vont faire appel aux impératifs du journalisme avec le professionnalisme et la responsabilité dont ils savent faire montre dans leur quotidien, comme vous le faites. L'ambassade de Suisse en Haïti saisit des deux mains l'opportunité offerte à l'occasion du lancement de cette 8e édition du concours pour réitérer son appui à l'OIF Repcal, en vue d'encourager une production journalistique de bonne facture dans tout le pays. Un journalisme de qualité, responsable et citoyen, indispensable à la vie démocratique. La Suisse croit également que dans un contexte où les journalistes font face à de nombreux défis, l'organisation et le maintien d'un tel concours est largement justifié. Je remercie bien sûr les partenaires au même titre de l'ambassade qui se sont mis d'accord pour soutenir encore une fois cette initiative qui prend de l'ampleur d'année en année. Votre soutien est exceptionnel. J'en profite avant de terminer pour inviter une fois de plus les jeunes journalistes, tous les journalistes qui sont là, mais aussi ceux qui sont dehors, à participer vivement à ce concours et j'encourage particulièrement les femmes à y prendre part. Des primes alléchantes sont à gagner, donc participez. Merci. Culture de la communication, cher Emily. Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de la Confédération helvétique, cher Fabricio. Monsieur le représentant joint du FNIAP, cher Judy Kael. Madame la représentante de l'ambassade du Canada, Monsieur le ministre Jacquet, que je salue au passage, Monsieur le directeur général de la culture, Monsieur Départ, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers journalistes, chers confrères, chers consoeurs, si on était au prétoire, je dirais que j'ai le redoutable privilège du bâtonnier parce qu'il m'échoit l'honneur et la responsabilité de tenir le dernier discours. Et lorsque j'écoute les différentes interventions,
la question qui s'est posée à moi, c'est de savoir qu'est-ce que je dois encore dire, parce que tout a été dit et bien dit. Et je voudrais en remercier les précédents intervenants pour la pertinence et la profondeur de leurs interventions. J'ai l'obligation de parler, c'est pourquoi j'allais continuer, sinon j'allais vous dire que j'ai terminé mon discours. Mais je dois constater que nous sommes aujourd'hui à la 8e édition du prix Jeune Journaliste que nous voulons aujourd'hui comme un prix de référence dans l'univers des médias en Haïti et dans le monde. Nous avons parfois des prétentions, mais qui n'a pas de prétention ne peut avoir de projet inspirant. Avec le concours de vous tous, ce prix trace pierre sur pierre son chemin pour s'installer progressivement comme une institution dans le paysage national. À l'instar du jardin anglais, il est quotidiennement arrosé de vos sollicitudes, de vos élans mobilisateurs, de vos appuis financiers afin de garder sa verdeur et son éclat. Je voudrais, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Moshikuyabo, dire toutes mes félicitations aux partenaires qui ne ménagent aucun effort pour porter haut le flambeau de ce concours attendu chaque année par la jeunesse haïtienne des médias. L'attente des jeunes se justifie d'autant que l'un des objectifs de ce concours est de contribuer au renforcement de leurs compétences grâce à la saine émulation de la compétition. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les 7 dernières éditions du prix Jeune Journaliste en Haïti ont permis à plusieurs jeunes professionnels de vivre des expériences stimulantes, emplies d'acquisition de connaissances et de rencontres humaines. Les différents stages, aussi bien en Haïti qu'à l'étranger, ont permis à ces jeunes lauréats de se faire ouvrir d'autres horizons ou de connaître d'autres horizons. Certains ont séjourné en Belgique, comme cela a été rappelé tout à l'heure, d'autres en France, d'autres encore en Suisse, au Burkina Faso, l'année dernière pour nouer avec l'alma mater. Et l'objectif pour la francophonie, c'est de faire en sorte que Haïti soit connecté avec le monde et plus particulièrement le monde francophone, parce que nous avons un héritage commun, nous avons un patrimoine commun et la langue française constitue également un ciment entre les peuples francophones du monde et nous essayons de partager toutes les richesses culturelles possibles. Donc les différents stages ont permis à ces jeunes haïtiens de partager leurs expériences avec les jeunes d'autres pays et tout cela a généré un sentiment d'appartenance au monde et au-delà du monde aussi d'appartenance à un secteur qui se trouve être le journalisme, qui, me semble-t-il, est le plus beau métier du monde. Je le revendique encore parce que j'ai aussi un passé de journaliste. Et je sais qu'il n'y a rien de plus beau que d'être journaliste. Nous le savons tous, l'exercice de ce noble métier de journaliste exige la rigueur, peu importe le pays. Malheureusement, dans des pays en crise, comme Haïti, le travail devient encore plus difficile. J'allais dire plus exigeant, lorsque l'on comprend que le travail du journaliste peut impacter la vie des populations déjà en souffrance. Or, ajouter la souffrance à la souffrance est une torture qui devait être érigée en infraction. Donc, le journaliste peut œuvrer à changer le monde à condition de sortir aussi dans un schéma de perversion qui consiste à ajouter à la souffrance des autres. Ce travail exigeant du journaliste demande
aux hommes et médias de la presse en Haïti de faire face à leur dure réalité et de manifester de la lucidité face à cette réalité en se disant « Nous n'allons pas faire comme les autres. Nous avons une responsabilité en tant que journaliste, c'est d'apporter de l'information qui puisse permettre de faire face aux souffrances des uns et des autres. » Aujourd'hui, la montée en insécurité touche tout le monde, y compris les journalistes. Elle affecte toutes les couches de la société. Certes, la région métropolitaine de Port-au-Prince est fortement touchée et souvent les gens nous disent, lorsque vous parlez d'insécurité en Haïti, vous parlez de la République de Port-au-Prince. Oui, ils ont en partie raison parce que l'insécurité est très forte dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mais ils doivent regarder aussi de façon réaliste l'ensemble du pays parce que Port-au-Prince n'est pas isolé de l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, lorsque l'insécurité amène à l'isolement de Port-au-Prince d'une partie du pays, on connaît les conséquences. Pour l'intérieur du pays, lorsque nous prenons l'exemple de la péninsule sud aujourd'hui, face à l'insécurité de Port-au-Prince, la péninsule sud souffre directement de ce qui se passe à Port-au-Prince. Et les acteurs de l'insécurité ne restent pas uniquement à Port-au-Prince. Ils circulent à travers le pays et portent comme nuée leur méchanceté, leur sauvagerie à l'intérieur du pays. Donc, l'ensemble du pays est touché en dehors des couches de ce pays. L'économie est en grande difficulté pour utiliser un langage diplomatique. Les populations se posent des questions quotidiennement. Chaque fois, quand il s'agit de sortir le matin, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer sur la route? Et comme l'a dit quelqu'un, l'espérance de vie est devenue 24 heures renouvelable. Donc, ça pose de vraies questions pour tout le monde. Nous sommes là en présence d'un problème particulier, un problème préoccupant, un problème qui désespère tout le monde. Et c'est pour cela que les organisateurs de la présente édition du prix Jeunes Journalistes ont décidé de mettre les jeunes reporters au défi en leur proposant de jeter un regard professionnel sur les effets de cette insécurité sur la société dans son ensemble et plus particulièrement sur l'économie. Il s'agit pour les candidats et les candidates de rivaliser d'idées et de créativité pour produire des reportages sur la base des angles qu'ils auraient choisi de traiter. Voilà un défi qu'on lance aux jeunes journalistes, c'est-à-dire on leur demande d'aller au-delà de ce que le commun des mortels peut faire. Et je crois que Madame la ministre a décrit de façon pertinente et excellente la situation. Je ne reviens plus là-dessus. On demande un dépassement tout simplement aux journalistes d'aller plus loin pour permettre de bien comprendre le phénomène de l'insécurité et ses conséquences sur la société et l'économie en Haïti. Merci également à toute l'équipe de la représentation qui, sous la conduite de mon adjoint, M. Moussa Sinon, a préparé efficacement la présente cérémonie et au-delà de la cérémonie, l'ensemble de l'activité. J'ai une équipe dont je me réjouis et je dors tranquillement et après je découvre que le travail est fait. Vous savez, les patrons sont les grands fainéants du monde qui viennent devant le travail qui est fait par les équipes pour pouvoir dire, c'est d'ailleurs en politique le droit d'auteur est constamment violé, Madame la ministre. Maintenant, place à la compétition et que les meilleurs gagnent. Je vous remercie pour votre aimable attention. Un D à quoi c'est deux. Jusqu'à présent là, nous avons en fait comme projet après l'examen, c'est que c'est un travail et étudier tout ça, puis aider moi et des familles tout ça. Qui sont les avenirs dans le pays? Avenir dans le pays? Dans le pays, est-ce qu'il y a avenir dans le pays? Pas que aucun avenir dans le pays ça non.
En fait, j'ai avenir mais pas dans le pays. T'expliquer? La musique est fini, tout ça. C'est pour moi pour nous aller dans le pays, ça ne va pas capable. Mais c'est en dehors du pays. Après, je dis que je vais vous apprendre tout ça. Mais dans le pays, je vais baguer moi, je vais baguer ceci. Même si je vais aller beaucoup pour moi. Ah, je vais aller ingénieur. Comme vous, j'ai appris le filo. Bon, dans l'université de l'État, à un pays, ça va venir. Tout si j'en ai parti. Comme si j'avais une manifestation top case et visée. Ah, je vais aller étudier. Après, ça m'a fait comme. Il y a un papa qui est comme ça. Après, je vais poser un président basse. Ça dépend si je suis un monde. Ah, ça me donne un problème, mais c'est qu'il a résolu. Pour baguer top sécurité. Comme si j'avais marché là, j'avais bien marché même. Je me compose grâce à Dieu, je me fais ça capable. Je me fais ça. Nous ne finissons pas trop, mais nous dégageons quand même. Je me fais ça, même pas trop. Donc, je me fais ça pour aller en médecine. Je connais pour les gens qui sont payés. Est-ce que je peux toujours entrer là-dedans? Ou bien est-ce que je peux entrer dans l'année? Je parle dans le cours. Je parle dans le cours. En attendant, je peux entrer dans le métier. Je pense aller pour comme si sortir, quitter le pays, aller visiter un autre pays, mais comme si abandonner le pays, aller pas jamais tourner. Si toutefois je n'ai pas possibilité, je peux apprendre. Je peux arrêter pour travailler, mais je peux toujours venir à Haïti quand même. Si toutefois, et l'État a mis tête ensemble pour qu'on travaille. C'est maintenant qui pour mettre pour payer à capable brancher. C'est nous-mêmes qui apprenons le pays et pas les mêmes qui apprenons tête pour côté. Bon, c'est que si toutefois nous mettons tête ensemble pour travailler, le pays a fait un pas en avant. Autorité, premièrement, tout le monde qui est dans le pays. L'examen n'est pas difficile. Mais ça fait que l'examen n'est pas un peu difficile pour moi. C'est parce que le problème quand j'ai été quand j'ai été venu arriver, il était boulé. Tout le monde a boulé, tout le monde a boulé, tout le monde a boulé. Et je suis passé un nombre de temps en province. Je suis étudié et ça fait que l'examen paraît un peu difficile. Non, pour le moment, je suis toujours dans le bois, même si je suis plus haut, je suis en distance qui est vraiment éloignée de côté de la. Oui, il fait un peu l'impact parce que je commence à étudier, je suis motivé pour étudier, mais on est vivant de ça qui passe. Je suis un petit peu de l'autre côté. Et vous avez un bon presse dans ça. Ce n'est pas facile même. Bon, si on sortit en vie, c'est grâce à mon Dieu. C'est ça qui fait. Je ne peux pas avoir de problème, la vie, la vie toujours. Mon visage est quitté, mais il faut que je vienne de l'autre côté que pour aller à l'autre endroit. D'accord, merci. Ok, canal 11, salut. Salut, canal 11, tout. Comment examiner vous pendant 3 jours ça? Bon, pour prendre une période 3 jours ça, pas tellement bon examen qui clair pour moi parce que je ne suis pas bien composé 100%. Non, et dans l'examen. Première fois à proposer dans philo? Pour la première fois. Daniel Finiolé. Après examen, hein, qui projet vous avez pour l'avenir? Bon, projet que j'ai capable pour VIM, c'est aller apprendre un métier. C'est vrai qui gagne et dans figi, c'est vrai, mais à cause des moyens économiques. Permettre je ne peux pas apprendre ça pour apprendre 100%. Tant que je n'ai pas de médecine, je suis capable d'aller, mais à cause de moi économique, je ne fais pas médecine. Mais à cause de moi économique, je ne suis pas capable. Quel âge vous même? 41 ans, je peux aller dans le JIA, dans le 16 JIA. Pour bien dire, je suis campé d'école. Quel âge vous êtes campé d'école? Bon, je ne sais pas rappeler à quel âge, mais je fais combien d'années je suis pas à l'école. Depuis. Vous décidez de retourner? Bon, juste pour. J'ai une vision pour finir l'école. Si je vais apprendre un métier favorable pour moi, pour être capable de gagner accès. Non, beaucoup de gens. Non, je ne vais pas marier. Je ne vais pas marier. Bon, j'ai un examen hier pour permettre de tabasser. Pour bien dire. Parce que je vais composer en bien. Bon, dernier message, je suis capable de passer. Que bon Dieu fait toujours une possibilité pour gagner courage pour m'apprendre l'école toujours. Après ça, je salue tout. Merci tout. Un D à quoi c'est deux. Gouvernement a nourri pour monter Gaza.
Maintenant, monte Gaza, est-ce que vous imaginez qui conséquence ça a gagné? Là, bon, pas quelle conséquence, parce que Gaza sont produits transversal, genre remédil, des spécialistes sur remédil. Gaz là impliqué un ensemble d'activités sociales. Gaz là entraîne un ensemble d'activités. Gaz là permet que la société a fonctionné. D'ailleurs, nous, le bain problème gaz, nous voyons que toute société a asphyxié. Maintenant, montez-le. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Oui, c'est une mauvaise chose parce que vous pouvez réduire le pouvoir d'achat, t'imaler, ça. Vous pouvez réduire le pouvoir d'achat, moun kap bat le bouffet beurre. Vous pouvez réduire le pouvoir d'achat, commerçant kap pren risque de traverser 400 maozo pour lâcher le produit pour venir en Haïti. Maintenant, l'homme monte gaz qui sont fait, ou mettez plus mon chômage parce que le patron lui-même a travaillé, lui ouais que dépense 23 pour lui qui s'est pas faire compression. Maintenant le fait compression pour le révoquer mon de révoquer mon c'est mettez mon chômage. Et mon nan qui est petit qui est madame nan, pas carité chita tant que pote ba li faut la brasser. Et ben mon qui nourrit de bonnes idées, il y a pas kembe mais ça pas ca nourrit de bonnes idées, ça pas carité ou pas obligé entrer dans activité qui que société a puni. En par exemple petit jeune qui va entrer dans gang. Allez petit jeune dans lui-même, là il gagne madame, il gagne petit bébé après les chaque matin crier mandé lettre, il pas carité tant que il porter lettre bali, il pas carité tant que il a demandé ou bien il entre dans mandé ou bien entre dans situation dans groupe armé qui peut-être pas le bon petit comme chaque jour qui prend supplé à besoin famille. Maintenant l'homme monte gazan c'est dit ou dit moun qui dans la rue, moun qui cap vendre bon la rue, petit marchand, commerçant, businessman yo. Gros businessman yo ou di yo écoutez, gon l'autre disposition pour me gagner par rapport à moun qui vient acheter dans même yo. Et comme ça, petit mami et dit le petit mami y a vendre $120, il pas augmenter. C'est la vie chaque pas augmenter, c'est grand goût, c'est misère, c'est chômage et monter Gaza qu'il y a ka gon conséquence sur l'émeute de la faim. Monter Gaza kounya ka pousser population ka augmenter frustration population. Monter Gaza kounya c'est créer plus ennemi gouvernement créer plus ennemi. Maintenant est-ce que pas une autre formule pour soulager misère peuple là parce que écoutez peuple haïtien c'est un peuple qui souffre plus actuellement là. Insécurité, kidnapping. Koto ka parler de question Gaza avec un monde qui fait kidnapping paye 2-3 millions de dollars américains. Ça va le dire là. Maintenant monter Gaza kounya c'est loyer qui pas augmenter. Moun qui te kon augmente loyer ya te kon ap bon nou kala loka la 3000 4000 dollars américains li pa mete 6000 pour deux chambres. Et si monte Gaza bon ensemble de conséquences néfastes sous fonctionnement société ya qui a dérangé et chaque grand haïtien qui a mette chaque haïtien dans petit soulier qui a dit écoutez pas gen l'autre choix pour mande gouvernement ça aller parce que gouvernement ça pas ka aider population haïtienne. Et ouais Ariel Henry à travers accession dans tête pouvoir ou senti pas aucun changement pas aucune amélioration faite et comme défenseur de monde nous même nous obligé dit font intervention écoutez nous exhorter gouvernement prend une autre formule pour éviter que population rentre plus dans misère dans grand goût dans insécurité monter gaz à connait c'est conflit pour créer entre passagers et chauffeurs monter gaz à connait c'est conflit pour créer dans mi-temps plusieurs secteurs en de population. Est-ce que c'est moment, est-ce que le moment est bien choisi pour augmenter les prix pétroliers ou bien est-ce que par contre l'autre formule pour nous adoucir, pour nous comment nous permettre que la population pas senti augmentation de prix pétroliers. Donc m'a fini pour me dire que nous ca comprendre que misère pas ici en pile. Et peuple haïtien toujours besoin monde qui pour aider, qui pour parler pour lui, pour comprendre. Et nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes en El Rémy, nous obligés de parler pour lui parce que c'est dans mars à sortir, c'est dans mars à nous sortir. C'est petite Théani, petite Haïti, petite classe moyenne. Monter gaz là, c'est pas une bonne solution, regarde. Ni ministre financier, monsieur Boafo. Moi, encourager nous, étudier notre possibilité pour nous voir comment nous ca jouer notre solution. Parce que j'aime toujours dire automatiquement nous montons Gaza pour un pays à qui a tombé dans une situation telle que même nous-mêmes qui avons notre pouvoir pour contrôler. Merci beaucoup. Un D à quoi c'est deux. Yodine pas comme ça.
Aujourd'hui, en 6 juillet 2022, quatrième jour examen baccalauréat, c'est avec un grand soulagement après une année l'école difficile qui succédait à deux années l'école qui était difficile tout. Tout le monde songeait 2019-2020, situation pays loc, 2020-2021, COVID-19. Donc, malgré un contexte sécuritaire extrêmement fragile, nous réussissons à boucler le calendrier de l'école dans la majorité côté dans le pays. Et 115 337 bacheliers rentrent dans la salle de classe dans 572 centres, tant que centres aujourd'hui. À part quelques incidents, surtout dans la première journée, côté direction départementale l'Ouest, tu es obligé de relocaliser 4 centres. Et ici, on choisit de visiter un centre qui est relocalisé, qui accueille le centre qui était prévu dans le lycée Jacques Dessalines, avec l'école nationale Paraguay. Nous sommes capables de dire que pas un gros incident majeur nous a reporté dans tous les 10 départements. Je pense que les candidats ont une possibilité pour que vous passiez preuve dans nos conditions sécuritaires qui sont relativement garanties, côté ça possible, grâce à un bon accompagnement police nationale d'Haïti, incluant composantes police communautaire et du pôle là. Mais c'est surtout sacrifice tout parent, en pile parent qui levait chaque matin, prend pour y a, fait toute qualité sacrifice pour que Timounio fait aller l'école là. Mais c'est sacrifice tout en pile personnel administratif, personnel pédagogique, enseignant, directeur l'école qui permettent aller l'école ça boucler. Je n'ai pas fini de faire déclaration dans le dernier jour de baccalauréat pour me remercier un peu de monde qui parle souvent. Gardien, agent sécurité, ménager, tout personnel administratif ministère qui n'a pas dormi. Pas dormi toute la nuit pour que l'examen et matériel arrivent dans toute salle de classe. Ce que je suis capable de dire, c'est que le résultat n'est pas il n'y a pas le bail matière par matière, l'école par l'école, commune par commune. Son façon non seulement élève qu'on résultat par eux mais par app qu'on résultat chaque l'école et par app qu'on résultat chaque l'école et professeur qu'on résultat global par matière. C'est une façon pour que en plus d'évaluation nationale que le ministère a fait même évaluation sommative nous ca analyser et que les bas résultat ce résultat ni pour élève ni pour professeur ni pour ministre là. Donc dans ce sens ça pendant nos derniers jours nous souhaitons que la presse avant journée l'école la fini bail message ça à élève qui a fini composé aujourd'hui surtout dans le département de l'ouest dans zone métropolitaine média qui live fait message ça passé nous fiers nous content sacrifice élève au fait puis au composé nous souhaiter aucun bête tête nous comprendre après plusieurs années difficiles yo envie célébrer en pile fois célébration dernier jour qu'on mené à dérapage alcool et toute l'activité activité qui pas fait fierté aux élèves l'école. Place publique yo, c'est à la fois place loisir mais c'est côté pile et ou indépendance yo. C'est occasion pour nous dire yo, il t'a plus bon année ça. Fini examen au fini, yo rentre la caillou. Parce que ministère préparé avec un pile partenaire pile l'autre activité pendant nous font camper pendant été, m'pa vle pas les vacances pour gain activité artistique culturel et sportif capable qu'apprend tant timounio donc là on content pour nous voir camarades nous après examen yo rentrer la caille nous tant de résultats yo préparer pour avenir. Merci monsieur le ministre, qu'en est-il de candidat? Bon, moi je suis gada de Jupam et la presse qui l'a nous capable ouais effectivement candidat te prévoir pour centre lycée Jacques Dessalines l'école nationale Paraguay là et a composé Caïmé Boudou Saint-Louis dans Port-au-Prince. Donc ça montre que la relocalisation a été faite à temps. Je profite de remercier la direction départementale qui l'a, le directeur qui l'a tout. Et toute l'autre direction technique dans le ministère qui a accompagné ça. Donc directeur enseignement secondaire qui présente tout. Et coordonnateur pôle enseignement qualité qui a accompagné tout le processus. Année ça, le ministère fait un gros mouvement parce que le bail tout directeur départemental a full pouvoir. Le ministre n'a pas de délégué ministre dans aucune direction départementale.
c'est le directeur départemental qui délègue le ministre. Et dans ce sens, il prend une initiative sans le leadership qui fait capable de dire à quelques heures de la fin de l'examen 6 juillet, examen mathématique, examen créole, examen espagnol, je suis capable de dire que le ministère très satisfait de Jean Sapassé. Et année ça tout, avec un pile disposition que tu prends, un pile stratégie tout, nous arrivons à dévier réseau faussaire, réseau fraude, y compris par WhatsApp, par Internet, pour que nous limiter au maximum fraude dans l'examen baccalauréat 2022. Nous parlons pas de la phase correction, une phase très importante. Le ministère choisit un correcteur expérimenté, qui gagne conscience tout, et qui parle de travail professionnel pour que dans les meilleurs délais, les résultats soient disponibles. Et nous tout annoncer les élèves, tout, année ça, une fois que les résultats sont disponibles, tout, même Jean-Ministère a annoncé ça, il y a gagné résultats, il y a gagné papiers, diplômes, tout légalisé avec numéro code. Jean-Ministère propose. Toujours gagné, et oui, à la marge, je suis capable de dire. Et pas oublier le ministère, là, c'est la première année, il a expérimenté 100% élèves secondaires qui dans le nouveau curriculum. On a parlé de 4 séries et on a parlé de matières, faut son matrice pour lier, pour que nous assurions que chaque série, c'est matière qui, pour examen, écrivé. Et étant donné que pour nous capables de dévier fraude d'eau, ce n'est pas le même examen, tout le monde recevoir de tous côtés. Donc, son opération assez complexe. Et première année, le ministère toujours continue à apprendre pour que l'améliorer le processus. Moi-même, je voulais dire quand même tout que, pas oublier, contexte sécuritaire difficile ça. Logistique là, pas de facile. Pendant qu'il y a des difficultés pour nous joindre gaz, pour que les machines arrivent. Conditions météo, notamment dans le nord-ouest. Conditions météo pour examiner les rivières Lagonave sous bateau pendant la mer, vent à souffler. Sans pile effort, il faut remercier les chauffeurs, il faut remercier tout le personnel administratif ministère. C'est grâce à eux, grâce à parents d'abord, mais grâce à employés, ça yo, on parle de soutien en particulier, qui fait examen arrivé dans cet examen. Gagnant élève à mobilité réduite, qui plaignait dit pas de matériel, qui travaille au cours de l'année. Parole ça arrive dans les zones, ministre. Oui, je pense que le ministère a un progrès pour le faire dans sa l'éducation inclusive. Le ministère a un progrès pour le faire pour continuer à améliorer pas seulement l'infrastructure d'accès, ni côté environnement. Côté Tim Nio a composé. Année ça, ministère, tu prends décision, nous pas isoler Tim Moun, quel que soit le type d'handicap que vous avez. Nous tous semblés, nous tous a composé même côté, même si équité par le dit, nous tous avons les mêmes outils. Équité veut dire, tout le monde a des outils qui permettent que vous soyez au même niveau. Dans ce sens, le ministère a développé un pile partenariat, a apprendre pour nous apprendre, ça rentre dans la formation enseignante, dans la disposition pour nous prendre. Et cellule administrative dans le ministère, qui c'est CASAS. Wally s'est occupé de ça. Le ministère a déjà travaillé dans le projet loi organique pour nous élever le rang de direction, pour nous avoir capacité avec santé scolaire pour que nous veiller au bien-être des apprenants, peu importe le profil. Oui, il y a des difficultés. Oui, ça ne peut pas être fait pendant l'évaluation seulement. Il faut ça faire pendant tout le processus d'enseignement-apprentissage. Le ministère est très en retard, mais nous au courant, nous avons avancé sur ça. Un D à quoi c'est deux. Semblez avec vous, Jésus un amour. Marie t'es gagnée. Mesdames, messieurs, nous accueillons le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, qui va déposer une gerbe en mémoire du président Jovenel Moïse, qui sera suivi de la sonnerie aux morts. Non, t'as pas compris tout à l'heure. Qui s'en veut? Passez côté. Nous disons là. Parfait, vous voulez m'arrêter? Oui, bien.
Hey, hey. Ok, s'il vous plaît. Allez, allez toujours. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les directrices générales et directeurs généraux, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti et les membres de son état-major, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti et les membres de son état-major, Mesdames, Messieurs les membres des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Messieurs et Mesdames du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs cadres et fonctionnaires de l'État, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres et qualités, chers compatriotes, il y a exactement un an, date pour date, depuis que le président de la République, Jovenel Moïse, a été lâchement assassiné à son domicile par des individus qui ont choisi délibérément de porter un coup terrible à la démocratie haïtienne. Ils ont prémédité la mort d'un chef d'État, pratique d'un autre temps, que nous pensions complètement révolue, et banni de notre histoire. Un an après cet assassinat, nous sommes encore en deuil. Le peuple haïtien est en deuil. Et cela nous oblige à nous plonger dans un profond questionnement. Comment des individus qui portent en eux un brin d'humanité ont pu froidement concevoir une telle atrocité? Comment ont-ils pu prendre le temps de se concerter pour oudire un tel complot macabre? Les membres de sa famille, ses amis, le peuple haïtien se demandent encore aujourd'hui pourquoi. Pourquoi cette barbarie? Pourquoi cette haine et cette folie meurtrière?
Un an plus tard, aujourd'hui, nous avons toujours du mal à réaliser cet épisode sanglant et barbare de notre histoire. La situation sécuritaire s'est détériorée considérablement. Tous les jours viennent s'ajouter à notre inquiétude un fait. Une prise de parole qui, avec l'effet multiplicateur des médias sociaux, nous perturbe un peu plus et ajoute à nos doutes sur les possibilités de nous dépasser, d'être à la hauteur du grand rêve et des grands sacrifices qui nous ont valu le statut de nation. Ces dernières années, nous avons expérimenté la violence sous toutes ses formes et une banalisation de la vie. Une violence des mots et des intentions, ainsi que des passages à l'acte qui ont détruit et détruisent ce que nous avons de meilleur en nous, ébranlent les fondamentaux et relativisent ce qui pourtant n'est pas de l'ordre du périssable. Ce sur quoi aucun doute ne devrait être permis, à savoir la fraternité, l'égalité entre citoyennes et citoyens. Et pourtant, les solutions pour gérer notre pays sont prévues dans le modèle même du gouvernement que nous avons choisi, la démocratie. Nous nous sommes fait mal, en toute conscience, alors qu'il suffirait que nous nous parlions, que nous discutions du meilleur pour tous, et surtout pour les femmes et les hommes qui habiteront ce pays après nous et qui jugeront cette fureur qui semble être devenue notre quotidien depuis plusieurs années. La famille du défunt, le peuple haïtien, la diaspora haïtienne, ne pourront faire le deuil de cette perte tant que nous n'aurons pas fait la lumière sur ce qui s'est passé véritablement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Tant que nous n'aurons pas découvert la vérité, toute la vérité, tant que nous n'aurons pas amené devant les tribunaux compétents les auteurs, les commanditaires de ce crime odieux. C'est à sa famille et au peuple haïtien que justice sera rendue, que la justice aura déterminé qui sont les vrais responsables de l'assassinat du président. La paix est la plus fondamentale, celle des consciences, celle qui permet de se réveiller chaque matin, d'aller de l'avant, de se projeter dans l'avenir, ne sera possible qu'avec cela pour les Haïtiens de l'intérieur, ceux de l'extérieur et même pour ceux et celles qui ont une ascendance haïtienne. Je renouvelle ici, devant la nation, ma détermination à encourager sans relâche la poursuite de l'enquête jusqu'à son aboutissement. La justice haïtienne peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement. Malgré sa faiblesse, la justice doit continuer à faire le maximum pour traquer les coupables, les traduire devant leurs juges et leur infliger des peines exemplaires et dissuasives pour que plus jamais notre pays n'ait à revivre un pareil drame. Le président Jovenel Moïse n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays ni dans la société haïtienne. Il voulait que cesse cette violence aveugle qui fait trop sang couler, qui mettait trop l'eau dans le jet, qui fait trop victimes, trop kidnapping, trop zags, brigantailles, gangs capsimés la terreur dans tout le pays. Il voulait que les Haïtiens se réconcilient entre eux. Il voulait une autre Haïti. Il voulait changer les choses et insuffler d'autres valeurs à notre jeunesse et surtout faire en sorte que l'on fasse de la politique autrement.
Mes amis, ça va continuer comme ça. Nous devons obéir la vie chrétienne vivant plus valeur. Ça, c'est une règle essentielle. Si nous voulons continuer à vivre ensemble, si nous voulons vivre tant qu'un monde et tant qu'une nation, les arrivés, nous ne pouvons pas faire comme si nous parlions. Il est pour nous comprendre. Développement, c'est résultat investissement. Investissement dans le monde. Investissement dans la jeunesse noire. Investissement dans la stabilité et la sécurité. Sécurité pour tout le monde. Dans le cadre d'une démocratie progressiste, côté tout le monde a le même droit. Je ne peux pas garder derrière. Mais, m'a dit nous que yon peuple qui fait 1804 il capable de choisir chemin développement il cap prend responsabilité yon fois encore devant l'histoire c'est joie ça qui devant nous jodi a je vous le dis parvenir à maintenir durant deux siècles le peuple dans un tel état de dénuement de précarité de sous-développement et d'insécurité en dit long sur la nature des forces opposées au bien-être du peuple haïtien. L'ennemi est historique, l'ennemi est fort. À nous de nous en convaincre et de prendre courageusement la décision de rassembler nos forces, nos intelligences, nos volontés afin de mettre Haïti sur la voie du développement. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Je voudrais que la vision dont Jovenel Moïse m'a parlé en me nommant Premier ministre éclaire les nouvelles avenues sur lesquelles nous devons nous engager, nous et notre pays. C'est chemin tête ensemble, c'est chemin dialogue, c'est chemin consensus. C'est chemin bon genre élection qui peut pour retirer nous dans Kachumbumbi ça. M'a dit nous démocratie c'est une bataille permanente. Démocratie c'est échange, c'est proposition. Démocratie c'est troquer l'idée. C'est entente après discussion. Démocratie pas qu'à violence ni crime. Lis-le, lis-t'en, pour jouer assassinat caractère moun, destruction réputation moun, jouet ou était pied ou, pour mettre pam l'en suspend. Progrès social et économique, c'est à tête ensemble. C'est avec en pile concession, en pile initiative et projet pour nous réaliser. Non, ça pas qu'à continuer. Faut que nous changions comportement. Faut que nous changions direction. Toujours dominé par un profond pneumatisme, par un souci d'intégration de la grande masse, par cette générosité du cœur, le président Moïse a accordé de l'importance aux revendications de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et en particulier celles et ceux de l'arrière-pays qu'ils considéraient comme des oubliés du système. On peut ne pas être d'accord sur les moyens, mais on ne peut pas remettre en question les objectifs visés. Nous avons entendu ce message, nous l'avons compris et nous l'avons retenu. Il nous incombe aujourd'hui de l'améliorer et de poursuivre ce combat. Jovenel Moïse tombé. On nous prend tout ça qui était bon bagaille, la caille. On nous ramassait rêve lio. Nous tous ensemble.
On nous travaille pour bien-être pays à toute petite lio sans distinction. Haïtien en dedans, tant pour ça qu'à vivre l'autre bord de l'eau. On nous travaille main en main pour réconcilier nation à toute petite lio. Dans ces circonstances douloureuses, je prends avec humilité la responsabilité de vous dire que j'entends assumer jusqu'au bout, avec détermination et patriotisme, la mission qui m'a été confiée, à savoir rétablir la sécurité et la paix, indispensable pour l'organisation des élections, et contribuer à une entente nationale, ce qui nous permettra de rebâtir sur de nouvelles bases. La mort du président doit être le dernier acte d'une période d'ignominie et d'intolérance. Puisse le rêve d'une nation haïtienne réconciliée que le président portait, une nation où tous jouissent des mêmes droits et ont les mêmes chances, où l'électricité est disponible dans les caille-paille comme dans les grandes villas, où l'eau irrigue toutes les parcelles, devenir une réalité. C'est la meilleure façon de rendre hommage au président et d'honorer sa mémoire. C'est l'appel que je veux lancer à toutes celles et à tous ceux qui auront la lourde tâche de le remplacer à la tête de l'État. Il a voulu, à sa manière, changer le cours de notre histoire. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout pour travailler ensemble à la transformation de notre société. Son rêve d'une Haïti différente, une Haïti où sera privilégié l'état de droit, une Haïti où la justice deviendra la règle de vie de la société, une Haïti porteuse de progrès, de stabilité et de paix, c'est ce rêve qui devrait être pour nous tous une source d'inspiration permanente. Merci. Un D à quoi c'est deux. Fin de quoi? Il y a beaucoup de programme. Il y a pas peuple à maille. Presque à gérer. Parce que vous pensez que c'est mémoration. Là, moi, je venais de faire là. C'est victoire, il y a une belle bravo. Presque à gérer. La salope, la tape sous là. Et la salope, elle va me pêcher nous faire ça. Nous tuer. Mafia, on va mettre ces jeunes solutions. Je suis en train là. On salue. On salue au canal 11. Est-ce que vous voulez dire que ça je dis à la ria. Présence moi viens commémorer la mort président Jovenel Moïse. Je viens demander justice pour président Jovenel Moïse également pour Haïti. Mande justice tout côté, sur tous les réseaux sociaux. Mande justice pour président Jovenel Moïse parce que son président de la République lié et pour haïtien lié et petit soeur Jovenel lié, on habitant lié. Son peuple lié même gens ensemble avec nous. Je ne dis pas si l'a goumé pour nous dans le pays. Son complot, l'a goumé, il t'a goumé pour nous. Complot a fait. Accord, des accords, tout accord liquide. Yo tout yo met ensemble, yo tuyel. Yo tuyel dans genou. Pendant ce temps, peuple a pas ka légel pour yo à côté nous là. Si enfondré. Mais nous gain un an. Jusqu'à présent pas grand mot dit, pas grand président. Yo même pas grand rien qui fait. Yo pas même parler des élections qui bon à privé, qui bon pays à privé.
Ok, Canal 11, salut. Salut, Canal 11. Président, vous voulez dire qui ça je dis, hein? Président, vous voulez dire justice pour Haïti parce que son président mourit, son noir, son black qui était gourmet pour nous. Alors nous, même Haïtiens, faisons prendre conscience qu'il était pour Haïti changer. Changement pas dépend de moi, ni de président mourir, mais il dépend de nous tous. On collabore parce que lui nous fait la force. Et puis merci, Canal 11. Mon chan a demandé justice pour Jovenel Moïse. Parce que tu es monsieur, tout le monde comprend et tout le monde voit tout. Ça veut dire, tu es monsieur, tu vas voir monsieur quitter nous vivre pour nous avoir une petite chance pour nous fonctionner dans le pays. Avec des titans de théâtre, c'est un grand nègre pour nous prendre. Nous-mêmes malais, nous-mêmes nous battons droit à vivre. Tu es monsieur et nous comprenons. Ça veut dire, tout jeune et tout le monde comprend tout. Ça veut dire que nous-mêmes qui vivons là, c'est grand qui pour fonctionner, c'est eux pour manger, c'est eux pour boire. Nous-mêmes malheureux, nous n'avons pas un droit à nous, nous n'avons pas manger, nous n'avons pas boire comme si nous sommes. Qui te goûte pour payer nous, qui te fait révolution pour payer nous. Nous n'avons pas place, nous n'avons pas tête, nous n'avons pas côté pour nous aider. Parents nous, tout ancien nous, nous mourons pauvres, après travailler avec même grand ça encore. 250 gouttes chaque jour. Avec comme ça pour moi, la vie nous 5000 gouttes. Ça, 5000 gouttes, ça a fait pour nous. Avec nous-mêmes nous, pour nous, c'est nous-mêmes depuis le commencement qui avons souffert. Et pendant ce temps, c'est nous qui nous payons. Ça qui passe. Tout le pays à l'étranger, nous-mêmes, nous étions dans le pays, nous mangeons le caca comme si nous étions dans le pays. Ça qui passe. L'argent qui a monté chaque jour. Et puis l'argent, le salaire que nous travaillons, c'est le même genre. Si nous travaillons 1000 dollars, moi, je vais arrêter 1000 dollars. Et puis l'argent qui a monté. Avec dit, boîte, nous avons 12 dollars. Ça qui passe. Et grand D à quoi c'est deux.